Bonjour et bienvenue à On Jase, édition du 29 janvier 2020. Salutations à toi, Luc. Salut, Martin. Salut, Guy. Salut, Guy, ça va bien? Ben oui, content de te voir aussi. Content que tu sois là. Guy Boucher, mesdames, messieurs. Oui, si vous ne l'entendez pas, on va réparer son micro, ça ne sera pas long. C'est très bon. Oui, aujourd'hui, David Perron sera avec nous, ainsi que Guy. Qu'est-ce que tu dis, Guy? Ah, t'es prête? Ben, j'espère bien que t'es prête. OK. On va avoir du plaisir aujourd'hui avec nos invités. On vous rappelle qu'aujourd'hui, c'est le Belle Cause pour la cause. Donc, si vous êtes abonné à Belle ou même si vous ne l'êtes pas, c'est important. Si vous êtes abonné à Belle, tout message texte, y ajoutez le hashtag Belle Cause, bien sûr. Si vous n'êtes pas abonné à Belle, vous pouvez quand même contribuer en mettons le filtre sur votre photo Facebook ou que ce soit sur votre filtre, sur votre compte Twitter ou sur votre Instagram. Bref, il y a plusieurs façons de participer. Puis c'est une façon de donner. Tu sais, souvent les gens, oh, j'aimerais ça donner plus dans la vie, mais j'ai pas 100$ à donner. Puis on dit souvent, il n'y a pas de petit don dans la vie. Vous pouvez donner un 5$, un 2$. C'est encore mieux. Vous ne donnez rien physiquement. C'est Belle qui donne l'argent. Et je sais que 5 sous comme ça, en 2020, les gens peuvent faire bah, c'est pas beaucoup. Et j'ai l'impression qu'ils se textent beaucoup de monde dans une journée et qu'ils Instagram. En tout cas, je regarde ma fille de 13 ans à texte et à Instagram, rien que sur un temps. Et Belle, si je ne me trompe pas, Luc, c'est au-dessus de 10 millions de dollars qui a été remis depuis les depuis le début. Ben, ça augmente d'année en année. Là, absolument, là. Absolument. Je vous invite, pendant que tout le monde est là, sur Facebook et sur rds.ca, de consulter la section rds.ca/bellecause, plusieurs textes que vous pouvez lire, des belles histoires de sportifs qui racontent leur histoire, entre autres Christine Girard, là, que Sébastien Boucher, notre journaliste, l'a rencontré. Ouais. Donc, rds.ca, belle cause, un texte de Nicolas Landry sur Jonathan Goulet aussi, l'ancien combattant. Ouais. Francis Paquin également sur Jordan Balmire, qui est dans le domaine de la boxe. Donc, allez consulter cette section spéciale-là toute la journée. Puis, on va accueillir Guy dans quelques instants. On mais peut on... l'accueillir. Guy est là, hein? Guy, t'es d'accord? Oui, oh, Guy est d'accord. Guy est d'accord. Non, oui, il est d'accord. Ouais. J'étais pas sûr au début, mais ouais. Là, il est d'accord. Nos collègues d'Hockey 360. C'est rentré, hein, des fois, il prend pas de pause quand il parle. Fait que, on essaie de rentrer. Puis... Ben, à date, on, ça va bien, on le coupe bien. Ouais. Tout est tout propre. Nos collègues d'Hockey 360, Alexandre Tourigny, a rencontré l'hockeyeur Brent Sopel. Une entrevue qui va être présentée ce soir à Hockey 360. On fait écouter un extrait et on revient. Guy va avoir des réactions après hein, ça. Guy? Dyslexia wasn't really a word back then, so it's not like I heard teachers say, oh, you got dyslexia. You know, I thought I was dumb. I thought I was stupid. I just thought that that's what I was. I was afraid of the real world. The reading and the writing, what am I going to do? How am I going to get a job? What's going to happen? So I had no problem standing in front of Shane Weber's or Chara's slap shot at 110 miles an hour. Go ahead, hit me in the face. But when I left the game of hockey, that's when everything got bad. It was really, really ugly. You know, probably a few, four, five, 6 months away. If I continued that, I probably would have been dead. Ouais, une histoire intéressante. Puis on a envie de regarder ça ce soir à Hockey 360. D'accord avec ça, Guy? Oui, absolument. Guy a grandi, on dirait, ou c'est moi qui ai rapetissé. Non, ça va arrêter de mettre ta petite chaise qui descend à terre. Ouais, check-toi bien descendre tantôt, by the way. Hey, on porte nos épinglettes de belle cause, une belle tuque que j'ai pas osé mettre sur ma tête parce qu'il fait chaud. Tu l'as pas te dépeigner. Merci, Martin, c'est très gentil. On a nos petits bracelets également. Donc, tu es capable de squatter de même tout le show? Donc, tantôt, on vous remontera la façon de faire pour contribuer à cette journée quand même super importante. Voilà. Absolument, absolument. Ouais. Journée importante. Puis comme on le dit, non seulement il y a les dons qui sont ramassés, mais aussi la sensibilisation pour en parler, inciter les gens à parler. Tu sais, comme Brent Sopel vient de dire, il dit « Moi, j'étais dyslexique. Je suis dyslexique. Je pensais que j'étais un idiot dans la vie. » Puis tu veux pas parler de ces choses-là. Puis la dyslexie, là, on veut pas minimiser des choses. Mais il y en a qui vivent des choses différemment. Tantôt, tu as parlé de tous les bons reportages qu'on a sur RDS. J'ai regardé. Puis j'ai poigné également à TSN, notre station sœur anglophone. Ouais. Une fille en trampoline, j'ai oublié le nom. Puis championne, médaille d'or. Puis elle m'a amené, elle commence à faire de l'anxiété. Puis elle se perd dans l'espace en raison de son anxiété. S'il y a un sport que tu ne veux pas te perdre dans l'espace,
Non, mais regarde. Deux commotions plus tard, là, avant de dire, hey, j'ai quelque chose, là, du jour au lendemain, ça marche plus, mes affaires. Mm-hmm. Non, regarde, moi, j'étais porte-parole il y a 2 ans. Puis, écoute, la série d'histoires que tu peux voir, même juste le vivre dans le national aujourd'hui. Tu sais, le national, c'est le reflet de la société. Mm-hmm. T'es pas en dehors de la société, à part quand t'embarques sur la glace. Là. Mm-hmm. Là, c'est sûr que là, t'es pas dans la société. Il y a des choses qui se font là, qui se font pas dans la vie. Mais maintenant, là, tout le monde est affecté directement ou indirectement. Et puis, tu sais, c'est prouvé qu'il y a énormément plus de... Je pense, je suis pas certain, mais je me semble que c'est 45% plus d'anxiété chez les jeunes de 14 à 21 ans. Ça, c'est sans compter tous les autres qui ont plus que 21 ans. Puis on est capable d'identifier, mettre des mots sur les choses. Tu sais, le stress de performance... Avant, ça n'existait pas. Là. À ce temps, on met des mots sur les choses. Oui, c'est sûr qu'à un moment donné, il faut départir. Là. C'est-tu par rapport à de la performance dans les sports ou c'est en général dans la vie? Tu as l'anxiété de trait, tu as l'anxiété d'état. Il y a des gens qui sont nés avec des prédispositions mentales, chimiques, biologiques et tout ça, qui font en sorte qu'ils ont ces problèmes-là dès la naissance. Puis ça va s'accentuer avec les circonstances du moment. Donc ça, c'est pas ça qu'on dit de très, ça veut dire que c'était très personnel, t'es né avec ça, puis il y en a d'autres, c'est par rapport à de l'état actuel, par rapport à ce qui se passe, puis des fois c'est un mix des deux, puis c'est là souvent que les gens qui ont de l'anxiété de très, et par rapport aux circonstances, ben là, écoute, on parle de d'exponentiel, tu sais, de problèmes exponentiels finalement, puis c'est là que les gens ont de la difficulté à s'en sortir, t'sais, je vais pas passer pour un expert, c'est juste que je n'ai vu tellement dans le sport, je l'ai dans ma famille, puis des amis de mes enfants, regarde, j'ai justement un ami quand même assez proche qui est décédé il n'y a pas longtemps. Toute sa vie allait bien, puis il n'y a personne qui n'a jamais rien su, là, ni moi. Mm-hmm. Personne. Puis dans l'espace de 2 semaines, il s'est suicidé parce que justement, je pense qu'il sentait qu'il n'y a pas nulle part à se tourner. Alors que c'est pas vrai, mais c'est l'impression. Fait que c'est pour ça que c'est bien important d'en parler. T'sais, moi, j'en ai aussi dans ma famille, très proche. Et puis, c'est pas juste une question de peur pour eux autres, c'est une question d'impuissance. Puis quand tu as de l'aide, ben, à un moment donné, tu t'aperçois que finalement, il y a des choses qui se règlent très vite puis très bien. C'est des fois des énormes problèmes, mais en parlant, quelqu'un qui a une solution quelque part. T'sais, puis, c'est le gros tabou, je trouve, qu'il faut tomber, c'est un peu ce que Brent Sopel disait. Je pensais que j'étais un épais. Puis on associait le monde macho du hockey, on associait mentale avec c'est un épais, c'est un idiot, c'est un stupide. Mm-hmm. Alors que la maladie mentale, je trouve qu'elle est beaucoup, en guillemets, moins gênante de dire « Hey, sais-tu quoi, j'ai un problème d'anxiété, j'ai fait une dépression. Lui, il avait de la misère avec la lecture, il était dyslexique. Ouais. Mm-hmm. Fait que c'est pas d'être épais, c'est juste de dire « J'ai quelque chose, je vais l'adresser comme j'ai de l'arthrite dans la circulation, puis tu vas l'adresser en allant chez le médecin. C'est la même chose. C'est un petit quelque chose, tu peux aller l'adresser sans avoir ce problème. » Absolument. Tu sais, est-ce que les gens vont juger quelqu'un qui a un problème avec une glande thyroïde? Non, il va avoir un médecin, on sent le problème, puis après ça, il y a une pilule qui va régler ta glande thyroïde. Si jamais toi, avec tes problèmes, t'as besoin de médication, ben prends une pilule, puis tu balances ça, puis tu sais, j'allais dans ma famille, là, nous autres, avec un de nos enfants, on a eu toutes sortes de choses qui étaient arrivées, puis à un moment donné, tu veux comme parent avoir les outils, puis à un moment donné, tu t'aperçois, attends une minute, là, ça dépasse ce que je suis capable de comprendre et de faire, puis il faut pas avoir peur comme parent, puis moi, je te dirais, même nous autres, on a attendu, puis on regarde ça, je dis, pourquoi qu'on a attendu? C'est notre enfant est en contrôle maintenant, il a eu de l'aide, tout ça. Puis écoute, c'est une personne exceptionnelle. C'est juste qu'il ne faut pas que tu aies peur, il ne faut pas que tu aies honte de ça. Au contraire, c'est de la force, puis c'est du courage de chercher de l'aide. C'est pas le contraire. Mais je pense que c'est ça. Tranquillement, ça s'en vient. Je pense que les gens sont maintenant plus aptes à comprendre, puis à voir que tu peux. Même moi, par rapport à toi, je pourrais t'aider sans t'aider. Juste parce que tu me dis et tu me l'avoues quelque chose, que tu as mis avec telle chose, ben là, après ça, moi, je connais peut-être quelqu'un ou j'ai peut-être un appel que je peux faire. Puis là, tout d'un coup, boum, ta vie change. Puis c'est ça, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de s'impliquer. Pas juste avoir de la compassion, puis de l'empathie, puis de la sympathie. Mais on est en mesure d'aider, même si petit, c'est gros. Mmh. Exactement. Puis le show est bon parce qu'on s'appelle, on jase. Fait que l'important, c'est d'en jaser. T'sais, notre collègue Éric Leblanc est à Miami pour le Super Bowl. Puis il rencontre Laurent Duvernay-Tardif. Puis il a tweeté ça aujourd'hui, Éric. Puis il dit, quand un homme comme Laurent ne craint pas de dire ouvertement qu'il consulte régulièrement un psychologue sportif,
T'sais, dans son cas, c'est pas d'avoir peur, là, c'est d'aller chercher de l'aide. Puis c'est un cas, là, celui-là, mais il y en a d'autres. Oui, la seule affaire que je te dirais, il y a des moments où il faut départager psychologue sportif, psychologue et psychiatre. Ouais. Il y a différents niveaux d'aide. Puis par rapport, moi, j'ai ma maîtrise en psychologie sportive, j'ai certains atouts qui me font en sorte que je suis capable d'aider certains athlètes. Mais à un moment donné, puis ça m'est arrivé là, quand même à plusieurs reprises, qu'à un moment donné, tu t'aperçois que, OK, là, c'est plus du sport, puis c'est plus par rapport à la performance, là, c'est la vie. Fait que là, il faut que tu sois capable de passer le flambeau, puis de reconnaître que ça, ça dépasse mes compétences. Alors là, puis là, ça devient évidemment, à ce moment-là, pour le joueur, pour l'athlète, il faut qu'il soit capable à ce moment-là d'avouer que, OK, je vais demander de l'aide qui dépasse ce type d'aide-là. Parce que là, c'est plus juste la performance. Et puis j'en ai eu plein. Là, oui, mais tu m'en as... Comme coach, comme équipe d'hockey, tu m'as déjà raconté des histoires, puis je veux garder... c'est à eux à sortir publiquement, s'ils veulent sortir publiquement. Raconte-moi une histoire que tu as eu à dealer avec, puis que peut-être un coach de l'ancienne garde a répété sa coche, puis que la nouvelle garde fait « Non, on va l'aider, l'individu, puis etc. » Puis tu en as plus d'une qui sont arrivées, sans nommer de nom, mais des choses qui peuvent arriver, puis que le coach peut faire beaucoup plus que juste être un gars de X et O, puis de le gars qui dit quoi faire sur la glace. Ben, tu sais, la vérité, c'est la grande majorité de notre job, c'est même pas des X et des O, là. Je veux dire, ça, c'est. Moi, je peux même dire ça, c'est le squelette, si tu veux, de ce qu'on a à faire, mais c'est comme ta maison, une fois que les poteaux sont mis, puis tout ça, il faut te mettre les murs, il faut te mettre la tuyauterie, puis tous les meubles qu'il y a dedans, puis le kit qui vient avec ta maison, mais c'est pareil pour un athlète, là, tu sais, j'ai eu des histoires simples, des histoires extrêmement complexes, des joueurs qui se sont ouverts à moi puis à personne d'autre dans leur vie. Là, fait que ça, c'est sûr que, je ne nommerai jamais de nom, à moins que cette personne-là le veuille parce qu'elle veut que ça, c'est ça qui soit sorti public, puis ils veulent que ça aide les autres avec leur histoire. Là, c'est sûr que je pourrais évidemment parler de noms précis, mais en ce moment, je n'ai plein en tête qui me viennent, mais t'sais, des gars que finalement, on va prendre un café. Pas à l'aréna, pas dans un environnement où est-ce que c'est menaçant, où il peut y avoir du monde qui écoute, où tu sors du hockey, tu vas prendre un café, puis là tu t'aperçois, oups, il y a d'autres choses en arrière de ça. Puis là, comme entraîneur, tu as le choix de laisser ça là ou de continuer toi-même comme entraîneur à aller chercher l'individu justement pour que... Tu sais, parce qu'à un moment donné, il faut comprendre que l'individu ne peut pas bien performer quand il traîne, c'est une lourdeur comme ça, tu sais. C'est comme moi, mes chums me disaient souvent, tu sais, imagine-toi traîner une caisse de 24 sur le dos, tu sais, quand un gars il a des problèmes d'alcool, là, c'est lourd à patiner que ça. Là. Fait que tu sais, ben c'est pire que ça. Là, à un moment donné, c'est parce que c'est des gens, certains individus vont avoir un problème, mais ça a des ramifications dans toute leur sphère de leur vie. Fait que là, imagine-tu, là, ils se sont pris tout seuls dans tout ça. Fait que là, à un moment donné, juste parler, ça, c'est un. Faut évacuer l'émotion pour être capable d'arriver à la raison. Puis là, la raison va te permettre de chercher de l'aide, de trouver des solutions. Fait que, tu sais, un joueur, par exemple, il me parlait de sa vie, puis ça a été une vie très difficile. Il voulait pas parler à personne. Sa femme connaissait quelques bribes, mais il m'a tout déferlé. Écoute, j'étais très privilégié, justement, que quelqu'un s'ouvre comme ça. Ben oui. Mais après ça, ce que ça devient, c'est à moi de checker, c'est à moi de voir. Puis à un moment donné, il y a des matchs très difficiles parce qu'il y a ce qu'on appelle les triggers en anglais. Il y a des déclencheurs. Parce que, mettons, s'il y a une telle ville, il est arrivé quelque chose, ben là, beaucoup d'anxiété qui vont se créer par rapport à ça. Quelqu'un qui va avoir de l'anxiété par rapport à quelqu'un dans leur famille qui va être là cette journée-là. Tu sais, écoute. Mais t'es quand même le coach. Est-ce que tu donnes plusieurs chances à la glace ou tu le sais qu'il vit des moments difficiles, tu vas le retirer, puis c'est pas punitif, non, c'est juste prendre soin. Comment tu gères ça? Non, c'est justement. C'est qu'il faut que tu fasses comprendre aux joueurs que toi, tu dois gagner un match. Tu coaches un match pour gagner. Fait que peu importe c'est quoi sa vie, il faut pas que ça l'impacte l'équipe à ce moment-là. Fait que là, ça veut dire qu'aujourd'hui, garde. On te fera pas jouer, tu sais. Puis regarde, t'as mal à laine aujourd'hui. Ouais. T'as mal à laine aujourd'hui, bien juste moi qui le sais que c'est pas laine. Puis on va voir les thérapeutes, écoutez-moi bien, là. Il y a mal à laine aujourd'hui, c'est clair? Parfait. Fait que là, les gens vont se poser des questions ou d'autres moments donné. C'est ça qui est dur, c'est quand les médias grattent. À un moment donné, puis les partisans, comment ça se fait qu'ils jouent mal? Puis là, toi, comme. Il est payé tant, il fait 6 millions. Ouais, mais attends une minute, là. Si t'avais sa vie en ce moment, là, je peux te dire que
t'en arracherais, là. Tu voudrais donner ton 6 millions pour sacrer ton cachet. Oui, exactement. Fait que, tu sais, l'histoire d'argent, moi, ça m'a tout le temps... Il va être franc, ça m'écœure. Et quand on ramène l'argent sur un joueur, là, c'est parce qu'on exclut l'humain. C'est pas parce que tu fais 6 millions que toi, comme humain, t'as plus de capacité de gérer puis de... Non, non, tu fais 6 millions parce que t'as tant de capacité de joueur. Mais ton... la capacité de joueur ne peut pas être à son meilleur tant que l'individu est pas prêt à donner cette performance-là. Fait que là, tu sais, tes relations à la maison, tes problèmes familiaux, tes problèmes qui viennent du passé, ce qui vient justement des difficultés justement d'avoir à vivre avec des déficiences de toutes sortes, là. Ben, fais en sorte qu'à un moment donné, t'as des passes où, tu sais, le monde tombe sur le dos de quelqu'un, puis toi, comme entraîneur, tu sais, là, qu'il ne peut pas bien performer, mais tout le monde tombe sur son dos. Là, je vais être franc, là, je viens méchant, là, en dedans. Je suis obligé de me retenir, parce que toi, tu es là, puis tu comprends, puis tu veux aider la personne, puis cette personne est prise avec ça, mais là, ça continue, puis ça continue. C'est comme si quelqu'un qui est écrasé à terre, puis tu continues à frapper dessus avec un marteau. Là. Les gens le font sans savoir. Ben non, mais c'est ça, ils savent pas. C'est juste qu'à un moment donné, quand il y a des choses qui s'étirent, il faut essayer de penser qu'il y a quelque chose derrière ça. Fait que, mettons, cet individu-là, par exemple, pouvait m'appeler, puis je lui disais, garde, moi, je veux pas que tu ailles. Sombrer tes problèmes dans l'alcool, puis le ci, puis le ça. Fait regarde, même si c'est 1h du matin, 2h du matin, 3h du matin, tu m'appelles, puis je m'en vais tout de suite à ta chambre. Puis c'est ça. Puis là, tu es debout jusqu'à 6h, 7h du matin, puis l'équipe, faut qu'elle se présente à 8h. Fait que, tu sais, le gars, il respecte ça, mais après ça, le lendemain, lui, il sera pas à patinoire, là. Fait que toi, moi, je le protège. Par rapport aux autres joueurs, par rapport à... Parce que lui, il n'est pas prêt, justement, à passer une autre étape par rapport... Là, il a juste besoin d'évacuer. Il a juste besoin de sentir qu'il y a quelqu'un avec lui. Il a juste besoin... Fait que, tu sais, là, toi, le lendemain, tu te présentes devant tes thérapeutes, ton gérant, ton cité ça. Comment ça se fait que lui n'est pas là? Ah, il m'a appelé, puis il se sent pas bien. Fait que j'ai dit, reste à l'hôtel. Au lieu qu'il ait contaminé l'équipe. Ben oui, mais c'est... Puis pas juste ça. C'est qu'après ça, lui, il s'expose. En ce moment, il est prêt à gérer lui-même. Il n'aura pas géré sa carrière puis les autres autour de lui. Mm-hmm. Fait que ça donne à rien. Fait que tu sais, c'est juste un exemple parmi tant d'autres. Là. Tant d'autres. Parce là. Que au hockey, tu sais, le gars au bureau peut pas rentrer. Il fait une dépression. Il tombe sur l'assurance. La convention collective, il y a une assurance. Il s'en va au bureau, tout ça. Puis il est en congé. Oh, OK, c'est assez difficile de te cacher avec l'assurance collective. Ben c'est ça, tu peux pas vraiment. Tu sais, je donne un exemple. Quelqu'un m'a demandé l'autre jour, tu sais, toi, ça fait cette année, ça ferait 23 ans que je suis entraîneur. Là. Combien de matchs que tu as manqué parce que tu étais malade ou pas capable d'y aller? Ben zéro. Zéro, là. Je ne peux pas caler malade, moi. Je me souviens pas d'un coach canadien qui a manqué une game. Non. Fait que ça juste te dire, là. Ça veut dire que quelqu'un qui a une grippe ou un... Je me suis fait demander qu'à lui, une pneumonie. J'étais malade, pas capable de me lever de mon lit, mais j'allais à la job pareil, puis j'étais en arrière du banc, puis après ça, ils m'ont dit, ben là, c'est le début d'une pneumonie. Tu sais, puis là, t'en as toutes sortes d'autres choses qui arrivent, de maladies, puis de ci, puis de ça, puis c'est ça qui est difficile dans ce job-là. C'est tous les jours, ça n'arrête pas, peu importe les circonstances. Tu sais, fait que imagine-toi les joueurs ou ben les gens du staff d'entraîneurs qui ont justement à toujours être là, même en dépit de... Tu sais, fait que ça veut dire le gars là, qui appelle d'habitude, ah, je suis malade, je ne rentre pas aujourd'hui. Mais là, ça sera pas ça. Là. Mm-hmm. Tu comprends? Fait que ces joueurs-là vont accumuler ces circonstances-là, puis ça devient extrêmement lourd parce qu'en plus, tu accumules la fatigue, puis tu accumules de toutes sortes d'autres choses qui sont négatives et difficiles à traîner. Fait que, écoute, regarde, je peux pas le dire assez. C'est qu'un, on en parle, puis c'est ça, j'adore le slogan, ouais. la cause, parce que ça affecte tout le monde directement ou indirectement. Puis tu penses que tu n'es pas affecté aujourd'hui? Puis j'ai vu des gens extrêmement en santé. J'ai un ami, on a un ami en commun, tu sais, qui est extrêmement fort. La personne que tout le monde va voir quand ils ont le problème, brillant, puis la quitte. Puis ben, c'est ça. Puis là, tout d'un coup, bang, il s'écroule complètement. Puis personne ne sait d'où ça vient. Lui-même ne sait pas. Fait que là, t'as besoin d'aide. T'as besoin de... Puis aujourd'hui, c'est super, tu sais. Fait que, mais il y a eu cette période-là. Fait que tu sais jamais, là, c'est les autres des fois, mais tu sais jamais quand est-ce que c'est toi. Mm-hmm. Mais tu vois, cette personne-là, j'y ai dit, tu prends tout, là, mon tabarouette, appelle. Ouais. Oui, mais c'est ça. Mais c'est dur on parce va que. Aller jouer à quelque chose. Oui, mais sauf que c'est dur pour ces gens-là parce que, tu sais, moi, de frère, moi, le premier, tu sais, t'es perçu comme tough, t'es perçu comme capable d'en prendre. Les gens, ils t'appellent justement pour avoir des conseils parce que t'as. Ben, c'est ça. Fait que là, c'est.
comme personne, tu te dis, ben, je suis capable de gérer. Mm-hmm. Puis à un moment donné, même, t'arrives à un point où tu regardes. Là, il faut t'arrêter de dire ça. Là. Mm-hmm. Puis moi, regarde, premièrement, dans l'hockey, j'essaie toujours de travailler en prévention. Alors, pourquoi pas travailler en prévention avec ça? Avant de te rendre, c'est là qu'il faut t'en parler. Ouais. C'est là que ça a le plus d'effet. C'est la même chose que les psychologues sportifs. Mm-hmm. Si on parle juste de la performance, on parle pas de gens malades là, d'une ouais. façon ou d'une autre. On parle de gens qui ont à gérer de la performance. Puis, tu sais, c'est pas juste aller jouer un petit bantama, là, ta game du jeudi soir. Puis, tu sais, on parle d'une énorme pression d'un athlète qui s'en va aux Olympiques. Puis, toute sa vie se résume à 30 secondes de descente en ski, là, tu sais, ou un 10 secondes de 100 mètres. Mais peux-tu imaginer, là, tout qu'est-ce que ça implique, tu sais? Oh, c'est cool, écoute, d'autres, on regarde ça, on est tout excités. Je fais une conférence devant une classe de 20 personnes secondaire 2, puis je suis ma vie. Fait que... Ben non, mais justement, c'est ça, tu sais, faut fait que le psychologue sportif, le meilleur temps pour l'avoir là, c'est pas quand t'as les problèmes. Ah, c'est assurément. C'est en prévention, ah, oui. avant. Absolument. C'est des outils, tu sais, c'est un entraînement mental, tu sais. Les gens me demandent toujours, OK, c'est quoi la psychologie sportive? Prends n'importe quel sport, Wayne Allwell nous expliquait ça, c'était mon professeur de maîtrise, qui était avec Hockey Canada, puis avec des sortes d'athlètes depuis tellement d'années, des athlètes en sport, puis il a gagné des tonnes de médailles d'or aux Olympiques, tout ça, avec ces gens-là. Lui, il disait, écoute, c'est comme une table, OK, le hockey. T'as le côté, une patte, c'est le côté physique. T'sais, là, on est rendu extraordinaire à comment gérer ça. Qu'est-ce qu'il faut manger, pas manger, quoi faire, dans quel moment. Là, t'as une autre patte, qui est le côté technique, tu sais, comment on lance, comment on patine. Là, tu as toutes sortes d'entraîneurs pour ça. OK. Après ça, tu as le côté tactique, ça veut dire tout ce qu'on appelle les systèmes. Ça, c'est le côté tactique collective. Ça veut dire comment tu vas agir en groupe quand tu as un sport de groupe. Puis ça, c'est trois pattes. Puis ça, habituellement, c'est trois pattes qui, tu sais, quand tu es dans un bon environnement, vont se tenir assez solides. Mais il y a toujours la petite patte que tu vois pas. Tu sais, si tu fais un petit dessin, là, la petite patte que tu vois quasiment pas en arrière, là, qui est cachée par le dessus, là. Ça, c'est le côté psychologique, mmh. mental et émotionnel. Mmh. Puis ça, c'est à développer autant que les trois pattes. Sinon, ta table chancelle. Fait que t'as beau être bon dans les trois autres pattes, si cette patte-là n'est pas forte ou est absente, ben là, oublie ça. Là. Mmh. Ta table va toujours être chancelante. Fait que c'est là, moi, c'est pour ça que j'ai retourné faire ma maîtrise. Parce que, tu sais, comme entraîneur, je me rappelle, j'avais déjà vu, on parlait d'un vieux de la vieille. T'sais, je me rappelle, il y avait un joueur qui était venu dans le vestiaire, il était défaite, là. Il était plus capable. Ça allait pas bien au hockey, puis ça. Puis là, il dit, j'ai plus confiance, je sais plus quoi faire. Fait que là, le coach fait une joke, puis il dit, ben garde, il dit, va-t'en en tout ton lit, ta confiance est cachée en tout ton lit. C'est ce moment-là, j'ai dit, tu sais quoi, moi, je m'en retourne, me chercher des outils, parce que je vais pas être prêt à répondre quelque chose comme ça. Mm. Parce que c'est quelqu'un qui s'en vient en désespoir, c'est quelqu'un qui a besoin d'aide. Fait comme joueur, je me dis, OK, je pense que je suis bon du côté mental. Non, c'est pas vrai, parce que très, très, très peu de gens ont les outils pour gérer ça. On dit, tu sais, on dit, le gardien de but, c'est 90 % dans la tête. Ah ouais? OK, ça veut dire, dans ton interaction avec ton gardien de but, est-ce que tu as 90 % d'outils à y offrir pour l'aider sur son 90 % Je peux dire, il n'y a pas grand monde qui peut dire. Fait que là, je me suis dit, OK, soit que j'apprends par les livres, tout ça, ou j'essaie de voir qu'est-ce que moi, je peux faire pour devenir un meilleur entraîneur, une meilleure personne, pour me donner plus d'outils. Fait que j'ai été faire ma maîtrise en psychologie sportive. Ça a été incroyable. Parce que j'avais déjà plusieurs années de coaching et de joueurs de fait. Puis là, j'étais capable de dire, ah, c'est intense, c'est pour ça que ça n'a pas marché. T'es capable de mettre... La prochaine fois, on va faire ça. T'étais capable de mettre une situation sur le... Exactement, parce que t'es capable de verbaliser, j'étais capable de mettre en mots, j'étais capable de spécifier pourquoi. Mm-hmm. Puis même des fois, hey, ça avait marché, des enfants, je faisais à répétition, mais là, moi, j'étais capable de comprendre pourquoi ça marchait. Mm-hmm. Je l'avais essayé, je l'avais fait, puis ça avait fonctionné, puis tu répètes ça. Tu ne comprends pas toujours non plus ton pattern de succès. Fait que là, ça a été toute une révélation pour moi. J'ai trippé là-dessus. Puis, si c'était recommencé, j'aurais été faire ma... Si j'avais eu le temps, mais là, j'étais plus vieux, puis j'avais des enfants, puis je coachais le national, j'aurais été faire mon doctorat là-dedans. Parce que c'est tellement intéressant. Puis en plus, c'est un milieu que j'aime. C'est le sport et tout ça. Mais ouais. Le psychologue sportif, justement, c'est ce qu'il va faire. Il va te donner... Tu sais, c'est pas... Tu es né, puis tu es bon mentalement, tu es fort mentalement. Tu sais, les Michael Jordan, puis Kobe Bryant, par exemple, ces gens-là, ils ont appris de gens qui étaient autour d'eux et ils ont été voir des spécialistes pour leur donner des outils pour s'entraîner. Puis là, je vais répéter le mot. S'entraîner, c'est des outils d'habileté mentale. C'est pas t'es né avec ça, t'es pas né avec ça. C'est des outils d'habileté. Oui, il y en a comme n'importe quoi. T'as des habiletés de base qui sont plus accentuées que d'autres individus puis plus faibles dans d'autres. C'est sûr qu'il y a des joueurs, des individus qui sont plus forts mentalement de nature. Mais ça dépend en quoi.
c'est comme l'intelligence. T'as toutes sortes de formes d'intelligence. Tu sais, moi, j'étais super bon en mathématiques, des mathématiques abstraites, puis tout ça, quand j'ai fait mon cours d'ingénieur. Mais quand tu tombais dans des statistiques, des fois, c'était plus simple, puis tout ça. Trois cochons, deux poules, puis tout ça. J'étais, coudonc, comment ça, je suis pas capable de faire ça? Mon cerveau fonctionnait pas dans ce sens-là. Fait que c'est pour ça que d'aller t'entraîner mentalement, parce que c'est ça, d'apprendre comment faire des mots-clés, comment la visualisation. Parce que c'est une démarche. Tu sais, Sylvie Bernier, on avait une... quand je faisais mon cours, on avait Guetta Boucher, Sylvie Bernier, tout ça, des exemples de comment il s'était entraîné côté physique, mais surtout côté mental. Puis ces deux cas exceptionnel d'habileté mentale, mais ça a pris des années. Là. Quand quelqu'un fait un saut là, en plongeon, tu sais que tu viens de dire qu'il, avec l'anxiété, qu'il a tout perdu, mais c'est ça, c'est parce que tu comprends que faut que tu sois activé comme athlète, mais à un moment donné, ton activation devient de l'anxiété. Fait que toi, faut pas que tu te rendes à cette période-là. Fait que, c'est toutes sortes de d'outils comme ça qui vont te permettre de t'auto-gérer parce que tu es capable de t'auto-évaluer, ce qui n'est pas le cas quand tu n'as pas ces outils-là la plupart du temps. On a plusieurs réactions. Là. Frédéric dit merci de faire une pause sur le Canadien, prendre le temps d'expliquer que tout le monde peut être affecté par ces maladies qui sont souvent très destructives. C'est un long message de Frédéric, puis il y en a plusieurs aussi qui ont réagi. Oui, 81, merci de prendre le temps aujourd'hui pour parler de santé mentale, sujet très important dans la vie de tous les humains. Fancy Pants, tu avais trouvé son nom, Lofin, nous avait écrit. Éric. Éric, merci de prendre le temps de jaser, d'en jaser, les gars, c'est tellement important. Les fans et parfois les journalistes ont tendance à oublier l'aspect mental. Mathieu Poulin, je comprends très bien, Guy. J'ai aussi perdu une personne due à un suicide dernièrement et nous ne l'avons pas vu venir, personne. Bref, il y a beaucoup de messages comme ça. Ouais. Je vais quand même faire le switch du côté. Je vais rester en maladie, mais chez le Canadien de Montréal, Domi et Lekkonen ont un virus. Mm-hmm. Ils font quand même le voyage. C'est ça qu'on parlait, Guy, Luc et moi, ils vont dire virus. Là. Personne qui va aller se pavaner à dire, mettons, gastro, picote, des affaires comme ça. Non, mais tu comprends ce que je veux dire? Tu gères ça comment comme coach? Sais-tu, t'es Dale Louise, reste chez vous, mais t'es Carey Price, viens prendre une chance de contaminer les joueurs. Comment ça marche? Écoute, c'est sûr, ça dépend de la gravité. Puis là, c'est là t'as pas le choix d'avoir l'opinion de tes médecins puis tes thérapeutes, tout ça. Parce que, tu sais, c'est un groupe médical que t'as. Là. C'est pas un individu. Là. Ton groupe médical, il est quand même assez gros. Puis à un moment donné, mais tu sais, ben là, il est plus dans une zone où il est contagieux. T'sais. Fait que ça, c'est pas la même chose que le gars vienne de contacter quelque chose. Tu sais, s'il a contracté la gastro ou chose comme ça, ben regarde ça, si tu veux l'isoler, là, t'as pas le choix. Là. Mais à un moment donné, tu passes le nombre de jours où ça devient contagieux. Dans l'avion, tu vas essayer de l'isoler. Tu l'emmèneras pas à l'entraînement la première journée. Il va rester. L'avion, tu l'isoles comment? C'est tu juste que toilette? C'est ça qui est dur. Non, c'est ça qui est dur. C'est parce que dans l'avion, on sait très bien que c'est... l'avion, c'est une des places où il y a le plus de choses qui sont transmises. Parce ben que t'sais, tout le monde respire l'air de tout le monde et tout ça. Fait que c'est vraiment pas évident. Non, c'est sûr. Mais on a eu des fois des joueurs qui sont venus dans d'autres circonstances, ont conduit, ont pris le train. Ils jouent pas, là. Les autres font le voyage. S'ils font le voyage, fort probablement, c'est parce qu'ils sont à la fin de quelque chose qu'ils ont contracté, puis que ça prend X temps, puis les médecins vont juger que OK, on est correct. OK, puis rendu à l'aréna, c'est-tu le gars qui vient te voir qui fait « Hey, je suis pas encore au top de ma game » ou « Si t'es là... » Tu joues? Non. Tu es vraiment au courant. Écoute, c'est tellement spécifique. C'est sûr que différents individus vont agir différemment. Tu as des gars qui, regarde, il n'y a pas question que je joue pas, point. Là, j'ai une jambe cassée. Je me dis, ouais, mais tape-moi ça, puis j'y vais. Là. Fait que, tu sais, la plupart des gars sont très, très, très tough dans ce sens-là. Un, parce que c'est des compétiteurs. C'est pas juste des compétiteurs. Tu sais, les gens, quand ils voient des compétiteurs avec qui ils ont eu quand ils ont joué une Pee-Wee, puis tout ça, là, ta minute, là, on parle pas de même affaire. Là. C'est des compétiteurs là, qui sont au-delà, de loin là, de la population normale. Là. Fait que, tu sais, des affaires de fou, j'ai vu, tu sais, des muscles complètement déchirés, sectionnés, puis le gars il est sur la glace, puis il veut rien savoir de débarquer. Je me rappelle Gabriel Dumont, c'était peut-être un des individus les plus toughs que moi j'ai jamais vu dans ma vie, là, je veux dire. Et ça tenait son épaule, là, on s'en allait au bas. Toutes les séries, là, il dit, mais ça prend rien qu'un mini coup, puis c'est tout déchiré, puis là, t'en as pour un an à récupérer, puis non, il n'y a pas question, je joue. Tu sais, toute ma vie, je voulais jouer, puis je voulais me rendre dans les séries juniors, puis après ça, à la Coupe Memorial, puis ça. Pardon, mais il joue pareil, tu sais, du monde, là, il vomisse partout, là. Écoute, ça embarque, ça fait une présence, ça s'en va vomir, puis ça revient tout de suite, là.
C'est, ben, je parlais de Gabriel, tu sais, je me rappelle dans un match, là, écoute, il était tout défait, là, les dents, la bouche, écoute, puis il restait à peu près 10 minutes en période, puis je fais signe au thérapeute, de son bon saut d'ici, va réparer ça, là, puis il voulait rien savoir, il était en maudit après moi, là. Ah, puis pas à peu près, là. Puis là, quand il était obligé d'y aller, là, écoute, il a envoyé un char au thérapeute pour médecin, puis grouillez-vous, puis dépêchez-vous, puis il est revenu, puis il restait une minute en période. T'sais, normalement, le joueur a attendu, pris un petit break, puis a attendu l'équipe. Puis, parce que, tu sais, quand tu te fais coude dans la bouche, là, je sais pas si t'as déjà eu ça, là, mais c'est quelque chose. Fait que c'est ça. Fait que lui, il regarde, il y a une minute, ça, puis tout de suite, puis il me faisait signe, je suis prêt. Il reste une minute, embarque-moi, tu sais. Fait que ça, c'est sûr que ça, c'est des rêves à coacher, là. Ça, c'est... Mais c'est ça, la Ligue nationale. T'sais, je me rappelle Ryan Malone, on arrive au banc, le chandail est tout plein de sang en arrière. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, là, ça me pique dans le dos. Le thérapeute lève le chandail. Ah, c'était dégueulasse, là. Écoute, c'était tout ouvert, là, à peu près ça de long, là, puis tout plein de sang partout. Puis, écoute, une affaire de creux, là. T'sais, c'était le muscle, puis tout ça, puis... Là, la foutillale, va peut-être te faire quoi? T'amènes le prochain shift. Il voulait jouer. Oui, lui, il retournait sur la glace. Tu sais, même, je me rappelle Ben Lévesque, là, ça, c'était dégueulasse. Là. On était à Drummondville, puis à un moment donné, donc, qu'est-ce qui se passe? Là? Il arrive au banc, puis, tu sais, le gras, là, les tourniquettes de gras que t'as à l'intérieur, là, ben, t'es tout sorti. T'es tout sorti du mollet, puis tout ça, puis... Ben, tu sais, il a vu tellement des choses sectionnées. Là, bon appétit, tout le monde. C'est ça. Fait que, c'est ça. Mais juste pour dire que ça, c'est des choses qu'on ne voit pas. Puis après ça, les joueurs sont sur la glace. Puis après ça, on les traite de tous les noms parce qu'ils sont pas à leur meilleur. Mm-hmm. Ouais, mais c'est parce qu'il y a des... Ah, il y a plein de choses qu'on sait pas, puis comment tu as ça. Parlant de pas à son meilleur, semble-t-il que Jonathan Drouin n'effectuera pas un retour au jeu jeudi contre les Sabres de Buffalo. Vous avez vu les entrevues hier dans tous les bulletins sur RDS.ca d'ailleurs, qu'il y avait de la facilité à... Il disait, en fond, ce qu'il disait, c'est un lancer contrôlé, aucun problème. Ça va, mais dans un match, il y a tout le temps stick to stick, il dit là, tu sais, c'est sensible encore. Ouais. Fait que, tu sais, c'est pas toujours des lancers contrôlés. À un moment donné, tu vas vouloir one-timer à rondelle, elle viendra pas exactement où tu veux sa palette. Puis ouais, tu y penses pas. Dans un match, là, tu réagis là, en des fractions de secondes parce que ton corps est habitué. Tu sais, mm-hmm. tellement des. Ça veut dire pour le joueur et pour toi parce qu'il est tellement proche, mais il veut pas faire l'erreur. Non, mais c'est pas lui qui veut pas faire l'erreur. Ça, là, dans un cas comme ça, là, c'est bien rare que c'est le joueur. C'est le staff médical qui dit non. Lui, il dit moi, je veux, puis le staff médical, non. Parce que si tu y vas, puis tu te reblesses, tu as un autre 4 semaines, 6 mois, ça vaut pas la peine. Fait que là c'est souvent, là, tu vois, ce qu'il va dire, c'est une chose, mais comment que c'est dans le background, là, c'est une autre affaire. Là. Moi, je peux te dire que des fois, ça se pogne d'aplomb. Là. Parce qu'il veut revenir au jeu. Ben oui, les gars veulent revenir au jeu, veulent aider leur équipe, tout ça. Il avait hâte de jouer avec Kovalchuk, Mais c'est là, faut que tu t'en remettes à tes experts, tu sais. C'est là où ton staff médical le sait, tu sais. Puis je l'ai vu à plusieurs reprises, tu sais. Que le joueur, même s'il veut, il veut, ben, OK, c'est correct, on le laisse aller, puis là, tout d'un coup, bang, le gars de staff médical, je vous l'avais dit. Fait que là, à un moment donné, il faut que tu fasses attention à ces choses-là. C'est chacun sûr que dans une série, je te garantis qu'il jouerait. Okay. C'est sûr. Puis dans le cas de Gallagher, là, je pense pas qu'on va. Le temps passe aussi, on va aller rejoindre David Perron dans quelques instants. Si vous voulez voir ce que Guy avait à dire sur la commotion cérébrale, tout ça. Oui, OK, 360 Ouais, 360 le segment est disponible dans la zone vidéo. Oui, parce que, tu sais, je pense que les gens ne savent pas maintenant, là, c'est toutes les étapes, là. C'est plus juste, OK, tu te sens bien, oui, tu es étourdi, puis tu t'en vas, là, tu sais. Je me rappelle quand j'étais jeune, on n'a jamais parlé de commotion, ça n'existait même pas. Ben non. Une commotion. Ouais. Au football, OK, j'étais knocké bien raide, puis je m'en allais tout croche au banc, puis t'es-tu correct? Oui, c'est quoi ton nom? OK, parfait, let's go. T'sais, écoute, le reste de la game, je voyais en double, mais c'est pas grave. On embarque sur terrain, au hockey, c'était pareil. Mmh. Ouais. OK, question du public. Est-ce que l'entraîneur, c'est de Clemson, je ne me souviens pas de son prénom. Guy, est-ce que l'entraîneur consulte aussi les psychologues sportifs au courant d'une saison? Ah ben moi, je le fais toujours avant les saisons. Je le fais au moins une fois dans la saison. Mais c'est parce que moi, je suis pas un...
un cas normal. Là, moi, j'ai fait ma maîtrise là-dedans, mais j'ai accès à plein de monde. T'sais. Fait que moi, je fais des appels continuellement. Je dis, OK, regarde, j'ai tel cas, je n'ai jamais vu ça, ou j'ai vu ça, puis j'ai pas réussi la dernière fois, ben, j'avais essayé ça. Qu'est-ce que tu en penses? Puis là, je vais appeler des anciens profs, des anciens, des gens qui étaient avec moi dans le milieu, d'autres coachs. Les coachs, à ce niveau-là, une, probablement, ce qui est commun à tous les coachs qui se rendent dans la Ligue nationale, à part peut-être un ancien joueur qui accède à ça tout de suite, là, tous les autres entraîneurs qui ont dû graver les échelons, ils ont probablement tous ce genre de réseau-là, sinon tu ne te rends pas là. Pour être entraîneur à ce niveau-là, il faut que tu aies un réseau très élaboré auquel tu as accès. Parce qu'il y a tellement de choses qui se passent qu'il faut que tu aies des réponses tout de suite, tout de suite, tout de suite, tout de suite, tout de suite. Fait que, tu sais, hier, je donne un exemple, les gens me demandent, tu sais, comment tu as fait pour te rendre là? Ben, c'est pas compliqué. Moi, le succès, faut que tu oses, il faut que tu aies le courage de prendre des décisions extraordinaires. Parce que ce que tu demandes, c'est d'avoir un résultat extraordinaire. Tu veux te rendre national, c'est gagner à la loterie, ça, là. C'est, statistiquement, c'est ça, là. Fait que, moi, j'avais 28 ans, puis 29 ans, puis 30 ans, puis, tu sais, j'appelais Ken Hitchcock. « Salut, M. Ken Hitchcock, j'ai eu votre numéro de telle personne, vous me connaissez pas, je coach dans le Midget 3 au Lac-Saint-Louis, finalement, t'es un nobody, puis j'aimerais ça avoir quelques minutes avec vous autres. Ah, qui pas de problème, garde, j'ai tel jour, samedi, telle date, ben, moi, regarde, pas d'argent, rien, j'ai emprunté, j'ai pris l'avion, puis je suis allé. Fait que j'ai passé deux jours à ce qu'il m'explique comment ça, là, je posais toutes les questions. Mike Babcock, il passe à telle place, regarde, il s'en va à McGill, regarde, Mike, tu peux-tu me donner 20 minutes? Puis finalement, 20 minutes, ça devient deux heures, tu sais. Puis là, après ça, je vais parler à Barry Trotz ici, puis après, je vais rappeler tel gars. Fait que c'est très tôt, c'est mon père qui m'a donné ça, c'est... Si tu veux des choses extraordinaires, mais prends des décisions extraordinaires pour avoir le résultat. Ose de faire des choses. Faut que tu aies le courage. Si tu restes gêné puis t'attends que le succès vienne, garde dans n'importe quel domaine, tu peux oublier ça, là. Ça tombe jamais nulle part. Fait que, tu sais, j'ai pris toutes des décisions. Tu sais, je suis sorti de l'université. Là, j'ai 9 ans d'université de fait parce que j'ai fait ma maîtrise, mais après McGill, tu sais, c'était 7 ans. Puis, tu sais, j'ai fait trois concentrations différentes. Puis quand je suis sorti de là, je suis allé à Rouyn-Noranda. Tu sais, là, j'avais ma blonde, puis ça, je suis parti. Puis, tu sais comment je faisais? Oui. 11 000 $ comme coach? Comme assistant coach. Je pars de Montréal, puis je m'en vais à Rouyn-Noranda, remplis mon char avec tout ce que j'ai. Puis je m'en vais là-bas, puis écoute, là, j'ai vécu une petite partie chez le gérant dans son sol. Après ça, je me suis trouvé un appartement, puis tu sais, la vérité, c'était un taudis, là, droit à côté de l'aréna. Puis quand mes chums venaient me voir, mais qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais là? Écoute, j'avais un matelas à terre que j'avais pris chez quelqu'un qui ne le voulait plus. J'avais, tu sais, les petits cadrans là, pour l'heure, tout ça, les cadrans de réveil. J'avais ça à terre, c'était tout ce que j'avais dans ma chambre. Puis j'ai trouvé une table dehors que quelqu'un était en train de jeter. Là. J'ai mis ça dans ma cuisine avec deux chaises puis d'attitude. C'est rien que ça que j'avais dans mon appartement. Puis là, le coach des Goalers, il s'est emmené plus tard. Vive chez nous, Manitou, il est arrivé là. Mec. Fait qu'on y a trouvé un matelas, m'a emmené une vieille TV. Puis là, plus tard, le propriétaire, il a su ça. Il a dit, ouais, non, ça n'a pas de bon sens. Fait que là, il m'a dit, garde, va chercher telle affaire d'affaires. Mais je vivais avec rien. Là. Rien. Écoute, pire que ça, moi, j'avais loué ça vite. Le gars qui m'avait loué ça, il m'a fait passer par la porte d'en arrière. J'ai compris pourquoi. Parce qu'à ma première soirée, j'ai la musique, mon gars, là. Bing, bang, qu'est-ce qui se passe ici? Fait que là, moi, je sors dans le corridor. Hey, il dit de la fermer, là, ça n'a pas de bon sens. T'sais, il était rendu 11h du soir, passé minuit. Fait que là, je monte en haut, il n'y a rien. Personne sur mon... Là, je réalise, ça vient d'en bas, tu sais. Fait que là, j'arrive à descendre en bas, mais ça donne à la rue. Parce que quand je suis arrivé dehors, je me suis aperçu, c'était un bar en dessous. Fait que j'ai loué un appartement avec un bar en dessous. Puis j'avais rien dans mon appartement. Puis j'étais payé 11 000 $ pour toute l'année au complet. Sauf que à 7 h du matin, j'étais au travail. T'as pas dit, ça prenait des décisions. À minuit, j'étais encore au travail parce que j'étais juste à côté de l'aréna. Fait que ça m'a fait faire. Ça m'a fait sauver à peu près 5-6 ans de travail, de vidéo, parce que je me consacrais juste à ça. T'sais. Fait que, tu sais, c'est là que la décision. Personne ne comprenait ma décision. Mm-hmm. Personne ne comprenait cet engagement-là. Personne ne comprenait cette passion-là. Moi, mais c'est pour ça que j'ai atteint la Ligue nationale. Mm-hmm. Si j'avais fait comme le commun des mortels, je serais pas là. C'est sûr, Non, je vais pas aller à Rouyn, ça me sort de mon confort. Ben oui, c'est comme mon épouse. Mon épouse, ah, c'est belle fun, l'épouse du coach. Je vais mettre une minute, là. Ça fait 23 ans qu'on est ensemble. Là. On a déménagé 16 fois.
Fait qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui vont vouloir déménager 16 fois. Puis en plus, on a eu 3 enfants en même temps. Mon garçon, avec mes 2 filles jumelles qui suivent un an plus tard. Fait qu'elle, tout seule, parce que quand tu es junior majeur puis qu'on s'en va, puis ça prend 17 heures à aller au Cap-Breton, puis tu es parti pendant 16 jours, tu reviens 3 jours puis tu es reparti, là. Pas beaucoup de femmes qui vont vivre ça, puis loin de la famille, là, tu sais, une poignée tout seul avec tout, là, tu sais, pas avec maman qui vient de l'aider, puis ça, ça prenait quelque chose de spécial qui faisait faire venir la famille pour avoir de l'aide. Fait que, tu sais, ça, c'est toutes des circonstances anormales qui sont extraordinaires, mais qui donnent le résultat extraordinaire. Tu te donnes une chance, sinon, oublie ça, tu sais. Ouais, mais tu as dit, faut prendre des décisions extraordinaires pour un résultat extraordinaire. Ta décision de logement. Sors de ta zone de confort, c'est ça. Ta je veux décision dire. De logement, c'était pas fort. Non, mais c'est ce que je sais. C'est la seule affaire que je peux me payer. Tu comprends-tu? C'est ce que j'aurais pu faire, bon, c'est sortir de l'Université McGill, puis aller me trouver une job qui a du bon sens, me payer comme du monde, ouais. Puis commencer ma vie normale. Tu fais-tu le bon argent à Rimouski? Oh, le rendu là, garde comme assistant coach, là, M. Tanguay m'avait vraiment, vraiment bien traité. Ouais. Mais tu sais, avec Rouen, ça avait changé l'année d'après, ça avait changé tout ça. Mais ce que je te dis, c'est que comme décision de départ, ça fait pas de sens. Là. C'était audacieux. Tu sors, tu fais autant de d'années d'université en génie, puis tout ça, puis tu t'en vas là pour des pinottes, puis loin de tout le monde. Puis là, c'était juste ma blonde dans ce temps-là, là. C'était pas mon épouse. Là. Mm. Marsha, elle a fini ses études d'ingénieur à McGill, puis il m'en va, moi, là. On se voit pas pendant des mois, puis salut, goodbye, tu sais. C'était tout ça, là. Faut que tu oses, faut que tu ailles chercher, faut que tu sortes de ta zone de confort. Honnêtement, c'est ça. En anglais, c'est « there's no growth without getting out of your comfort zone ». Alex Antopoulos, qui est directeur général dans le baseball majeur, il a commencé en lichant des lettres puis en répondant au courrier de Vladimir Guerrero gratuitement. Ben, des exemples de même dans le football. Dominique Vanelli, le boss ici, là, c'est extraordinaire. C'est toi avec lui, c'est une personne exceptionnelle. C'est tellement le fun. Il a une personnalité le fun, mais en plus, c'est quelqu'un qui a énormément de profondeur et substance. Puis quand tu t'attardes à son passé, ben écoute, il a commencé dans le bas. Il a tout fait, là. Il a tout fait pour se rendre où il est rendu là. Mm-hmm. Fait que tu sais, lui aussi, ça a été la même chose. Quand on discutait, évidemment, tu vois des similarités. Aïe, aïe, tu vois-tu le chemin que tu as parcouru pour te rendre là? Mm-hmm. C'est ça un petit peu que moi, je te dirais, quand je donne des conférences, c'est ça qui est le plus difficile. Parce que aujourd'hui la société, les jeunes, ce qui est le plus difficile à leur inculquer, c'est que ça prend du travail à long terme avant d'avoir des résultats. Puis, je ne veux pas dire que c'est leur faute parce que, regarde, mes enfants, c'est la même chose. Ils pèsent un piton et ils ont ce qu'ils veulent. Mm-hmm. Fait que, tu sais, que ce soit dans la maison, que ce soit avec un ordinateur, que ce soit sur leur téléphone, que ce soit sur n'importe quoi. Tu sais, maintenant, tu n'as même plus besoin que l'autre jour. Tu sais, Vincent, sa lame de patin est cassée. Fait que moi, je pars et je vais au magasin. Puis écoute, il n'y en a pas. Il dit, papa, pourquoi tu allais faire ça? Il dit, moi, je pèse le piton dans mon téléphone puis j'allais dans 2 jours. Mm-hmm. C'est ça. Tu comprends-tu, tu sais, fait que c'est pas la même approche parce qu'aujourd'hui, on cherche le shortcut. On cherche ce qui va être plus court et plus facile à faire pour avoir un certain résultat. Mais si tu cherches quelque chose d'extraordinaire, si tu cherches quelque chose qui est difficile à atteindre, tu vas avoir toutes les étapes difficiles pour te rendre là. C'est là, inculquer ça à nos enfants, c'est plus difficile que ce l'était pour nos parents. Puis en plus, nous autres, on les dorlote. On va dire qu'on les dorlote pas, mais je m'excuse. Là. Ouais. Si je compare ça à ce que moi, j'ai vécu chez nous ou que mon père a vécu avec sa famille ou tout ça, regarde, on est dans un autre monde. Dans ce temps-là, c'était hey, « débrouille-toi ». Ouais, débrouille-toi. Puis on se débrouillait. Aujourd'hui, c'est ouais. Ça, on le fait pour eux autres. Ouais. Non, oui, absolument, t'as raison. Écoute, c'était une bonne journée pour le faire. Absolument. On est toujours sur Facebook Live. On va mettre fin au Facebook Live. J'espère que vous avez apprécié cet angle différent de l'émission aujourd'hui. Hein. On en a appris beaucoup. David Perron s'en vient, donc les gens de Facebook, revenez nous voir sur RDS.ca. David Perron. Oui, puis demain, David va être là, pas David, Guy va être là pour parler. On va être avant le match canadien face au Sabre de Buffalo. Donc, tout ce qui est rapport aux Canadiens, puis au plan de match, puis pourquoi ils perdent, puis tout ça. Là. On se gâtera demain. D'ailleurs, demain, Guy Boucher. Oui, Guy Boucher qui est Boucher. Là. Mike, Jacques Martin. Jacques Martin sera avec nous. Ouais, ah, nice! J'ai déjà beaucoup joué. Et Marc Denis. Marc Denis avant le match. Un petit show aussi demain.
OK, les gens de Facebook, venez vous en sur rds.ca. Vous ne voulez pas manquer David de Perron. Oui. Est-ce qu'on y va tout de suite ou David? Oui, allons-y, allons-y. Écoute, il a connu tout un week-end, match des étoiles, et hier, puis avant-hier, deux matchs de suite où ça a été spécial pour David Perron également. On va aller le rejoindre immédiatement. Salut David, comment ça va? Salut Martin, ça va bien? Moi, je vais bien. Toi, comment ça va? Ah, ça va pas super là. Je me remets d'une gastro que j'ai eue en fin de semaine. Donc, je m'excuse d'en avoir un petit peu, mais là, je commence à bien me sentir. Une chance. Encore une fois, beaucoup de succès hier. Mais là, attends une minute, une gastro à fin de semaine du match des étoiles? Oui, oui, ça l'a donné de même le soir de la compétition d'habileté. J'ai été chez moi le soir, puis je commençais à pas bien me sentir. J'ai eu la gastro pendant la nuit. Mon petit gars aussi, ça a pas bien été. Puis le lendemain, ben, je voulais pas manquer le match, évidemment. Là, c'est peut-être ma seule présence au match des étoiles. Donc, j'ai tout fait pour être là. J'ai joué le match. C'est sûr que j'étais faible, j'avais pas beaucoup d'énergie, mais en même temps, avec l'intensité qu'il y a au match des étoiles, ça n'en prenait pas énormément. Puis j'étais bien content d'être là. Ça s'invente pas. Le gars va au match des étoiles pour la première fois en carrière, puis je t'imagine juste dans la salle de bain en train de dire « Hey, c'est pas vrai que je vais passer le match des étoiles ici. » Ah non, c'est direct de même, ça s'est passé durant la nuit d'avant. Je me suis couché peut-être à 1 heure, je me suis réveillé, puis évidemment, ben des vomissements, etc. Donc, ça, qu'est-ce qui vient avec la gastro? Il n'y a rien de plaisant là-dedans. Je me réveille 1 autre heure plus tard, mon petit gars, c'est la même affaire. Là, je comprenais pas trop qu'est-ce qui se passait, puis c'est ma blonde au travers de tout ça qui essaie de patcher toutes les bords, aider tout le monde, puis non, regarde, c'était pas une nuit exceptionnelle, puis c'était impressionnant comment les enfants bandent back le lendemain matin, mon petit gars courait partout dans la maison et jouait avec sa sœur, tandis que moi, je voulais pas bouger de mon lit, donc c'était impressionnant. Ouais, c'est bon. Mais là, au moins, tu as pu. Garde, secret, qu'est-ce que tu as pris pour être capable d'aller au match des étoiles? Bien, j'ai appelé mon trainer le matin, puis j'ai demandé ses recommandations, du pédialyte, toutes les choses qu'il comprenait quand on était jeune. Soupe plein noix, compote de pommes, etc., les crackers. J'ai réussi à les garder. Ça n'a pas sorti, donc ça a été bon. Puis, tu sais. Encore une fois, là, je voulais pas manquer le match. Là. C'est clair. Ma famille était là, mes parents étaient là, un de mes chums était là. Je voulais pas manquer ça. C'est hilarant. Est-ce que tu prenais le dernier siège au banc au cas que tu aies une course à faire? non, rendu au soir, j'étais confiant que j'allais être correct. Puis, vu jouer avec O'Reilly et Petrangelo, je voulais pas leur donner non plus. C'est clair. Avec les matchs qui s'en venaient. Donc, j'ai parlé avec quelques gars dans la chambre, puis je pense qu'il y a une couple qui l'avait au travers des jours d'avant, donc je l'ai peut-être pogné d'eux autres. Ça se peut. All right, écoute, je présume que raconte-moi ton match des étoiles, comment ça s'est passé le jeudi, comment ça s'est passé le vendredi, le Skill Competition. En plus, c'était celui que tu nous avais parlé avec la plateforme. Raconte-moi. Ouais. Ah, c'était exceptionnel. C'était un très beau week-end. Du début jusqu'à la fin, on est tellement occupé en tant que joueur, par contre, avec les médias, avec d'autres choses, que ça passe vite. Tu vois quasiment pas le week-end passer. Finalement, la première journée est passée, deuxième journée est passée, pas, t'es rendu que le week-end est passé au complet. Donc, j'ai essayé d'en profiter au maximum. J'ai amené mon petit gars à la glace au morning skate. Toute la patente. Donc, c'était vraiment le fun. La nouvelle compétition qu'ils ont faite, si j'ai. J'ai bien aimé ça. C'est sûr que pour moi, en étant le premier joueur à y aller, j'avais pas vraiment dit c'était quoi un bon score pour permettre de gagner. Donc, j'aurais aimé ça, mettons, avoir eu la chance d'y aller en dernier ou peut-être juste avant O'Reilly pour me donner une chance de pouvoir remporter la compétition. Mais en même temps, j'étais juste content d'y faire partie. Je trouve que l'équipe a fait un très bon travail d'amener des anciens joueurs et faire partie de la compétition aussi. Les partisans, je sais qu'ils ont bien aimé ça. Puis côté match, ben, c'est comme que c'est l'intensité au début, ça commence tranquillement, puis plus le match avance, tu vois l'intensité du match de 3 contre 3 augmenter à toutes les minutes, à toutes les présences, parce que les gars veulent pas, ils veulent gagner de plus en plus le match avance. C'est clair, mais là, tu me scannais ça en 3 minutes, là, 20 secondes. Là. Premièrement, comment on t'a appris que tu allais faire la compétition sur la plateforme, puis tu m'en avais parlé en avance, fait que je présume que tu étais hyper content de faire celle-là?
Oui, ouais, exactement. Ben, ils m'ont juste dit que j'allais la faire. Puis le jeudi, avant la compétition, ils ont été nous montrer la plateforme, ils ont été nous montrer les sites, c'est quoi que ça allait de l'air. On a eu la chance de faire quelques lancers, de se pratiquer. Donc, on avait déjà une idée de comment que ça allait se passer pour la compétition. C'est pas mal de même que je l'ai appris. J'aurais aimé ça faire les cibles. Tu sais, ça reste que, je trouve, c'est une des plus fun. J'aimerais ça aussi qu'ils retournent aux anciens avec les vraies cibles. Tu sais, c'est un peu plus spectaculaire quand les cibles explosent. Mais, hein. Le battement plus rapide, le lancer frappé, c'est toutes des compétitions spectaculaires. Le classique. Là, Joe Platt, quand ils t'ont dit que tu allais être à sa plateforme à tremper dans les airs, puis que tu étais malade, tu t'es dit, hey, c'est-tu pas la pire affaire que je peux pogner? Comment je vais faire? Oui, puis honnêtement, c'est vraiment une heure avant ça que je commençais à. Tu sais, quand tu sens ton estomac, tu sens pas bien. Donc, tu sais, j'ai amené mon petit gars en haut. Mais il était super content. Il trippe au hockey en ce moment. Il parle juste de ça. Mais effectivement, quand j'étais sur la plateforme, c'est quand même drôle, mais tu sais, je me sentais pas bien. Pis ça, fait que, autant que j'en profitais, mais j'avais hâte que ça finisse du côté que je savais que ma soirée était finie et que je pouvais aller me reposer. Tu sais, c'est pas le fun quand tu te sens pas bien, peu importe où dans la vie, peu importe tu fais quoi. Donc, mais en même temps, j'essaie d'en profiter. Puis tu sais, souvent, il y a des parties après les soirées. J'ai pas pu aller en profiter de ce côté-là. Donc, un petit peu déçu, mais en même temps, c'est des choses qui arrivent. C'était exceptionnel. Ah non, puis tu sais, il aurait pas avoir un mal de gorge, puis ça aurait pas été le fun pareil, mais une gastro, t'es tout le temps en train de spotter. C'est où ta plus proche sortie, tu sais, s'il se passe quelque chose, si tu te fais surprendre. Donc là, tu sais, la plateforme, je t'imaginais. Il n'y a pas grand sortie quand t'es sur une plateforme, t'es en pied dans les airs avec des caméras tout autour de toi. Donc, c'est drôle, ça fait drôle d'y penser de même, mais regarde. C'est des choses qui arrivent, puis c'est ça qui est drôle, parce que ça va arriver tout le temps, deux, trois fois dans une saison, que des joueurs, on va être malade, comme tu dis, on va avoir un mal de gorge intense qui n'est pas plus le fun. Différentes raisons pour ne pas être à 100%. Donc, ça fait quand même drôle que mon seul match des étoiles, peut-être que je vais aller dans ma vie, ben j'ai une gastro le soir d'avant, puis là, peut-être que, si encore une fois, si je tends au Ovechkin, peut-être que j'aurais cancellé le match, étant donné que je ne voulais pas si bien que ça, mais je voulais pas manquer ça pour mes parents, pour tout le monde qui était là. Ah, t'as un bon point. Tu relances le débat à savoir un joueur devrait-il être suspendu après. T'as-tu une opinion là-dessus? Je comprends le côté des partisans. Oui, ben je comprends le côté des partisans qui veulent voir les meilleurs. Moi, si j'étais la Ligue, peut-être que je demanderais une rencontre avec Ovechkin, avec Crosby, avec Kane. Les gars que ça fait plusieurs années de suite qu'ils vont. Les gars, qu'est-ce que ça prend de différent? Est-ce qu'il y a de quoi que ça prend de différent? Sinon, tu sais, peut-être que ça prend un barème après 5-6 matchs des étoiles. Seule option d'y aller. De pas y aller, mais une fois, tu sais, peu importe, il y aurait des règles que, OK, tu peux en manquer une, mais l'autre que tu fais nommer, il faut que tu reviennes. Des choses de même. Regarde, y a-tu de quoi à faire là-dedans? Moi, je m'assirai avec les joueurs, puis souvent, quand tu inclus les meilleurs joueurs, après ça, tout le monde comprend comment ça va se passer, puis ils vont tous embarquer dans le bateau. Quelle a été ta conversation la plus fun en fin de semaine, outre un coéquipier ou un membre du staff des Blues? Ça, c'est la partie que je peux pas dire que j'ai aimé le moins, mais on a tout le temps des caméras en face, on a tout le temps des médias qu'on s'habille, puis c'est, je m'attendais qu'on ait un petit peu plus de moments avec les joueurs pour converser à l'aréna. Donc, j'étais un petit peu déçu, mais j'ai parlé avec Kane pas mal. C'est un gars que j'ai beaucoup de respect pour lui. On a commencé en 2007-2008, en même année. Évidemment, il a atteint 1000 points. Il était un joueur des Blackhawks, c'est la rivalité avec les Blues. Ben, il se faisait huer toute la fin de semaine. Puis, tu sais, il était bon joueur au travers de ça. Il a eu du fun avec les partisans. Je pense que les partisans au travers de ça sont capables de dire qu'ils ont du respect pour lui, qu'ils ont été impressionnés de sa performance même en fin de semaine. Fait des petites choses de même. J'ai parlé avec lui, j'ai parlé pas mal avec McKinnon, étant donné qu'il est assis à côté de moi puis O'Reilly. Donc c'était super le fun. J'ai parlé évidemment avec les frères Kachuk, Hellebuck, Scheifele, évidemment la plupart des gars de ma division. Donc
Non, c'était, là-dessus, c'était le fun aussi, mais j'arrivais ça un petit peu plus de temps. Je me regardais le match, puis je me disais, « Es-tu con? » Comprends-moi bien, on peut pas être déçu de jouer avec ses coéquipiers, mais je comprends les coachs qui a voulu vous mettre ensemble en disant qu'ils ont une chimie. Mais t'aurais-tu aimé ça, jouer avec d'autres? Oui, mais je pense pas que c'est une question de chimie autant que pour les partisans. Le fait de nous voir jouer tout le monde ensemble, peut-être que les partisans... En tout cas, je pense que les partisans aimaient ça. Oui, en même temps, j'aurais aimé ça jouer avec un gars, exemple, comme... Scheifler, Kane, Eric Stahl, peu importe, n'importe qui, McKinnon. Je pense que notre alignement est un des meilleurs alignements quand on regarde sur papier. Puis les games, mais ça n'a pas vraiment rapport. Là. Ça dépend qui pogne le momentum, qui score 2-3 buts, puis ça fait la différence. Après moi, tu as surpris Draisaitl. Tu ne devais pas s'attendre que tu allais te battre pour la rondelle. Mais le lancer sur Markstrom, écoute, 5-0, mais proche du patin, ça, c'est pas facile, ça pogne. Ah, j'ai essayé de quoi d'un peu différent. D'habitude, Sorry. One second. Mon entraîneur qui veut me parler en ce moment, désolé. Hey, tu veux-tu y aller, David? Je vais pas te mettre dans le trouble avec le chief. Inquiète-toi pas. OK. Inquiète-toi pas. Mon lancé, Fireball, c'est juste assez de quoi différent. On est au match des étoiles. Encore une fois, comme je t'ai dit, j'ai un peu mal au poignet, donc. Les lancer avec Glove à 100% ma puissance. Je suis pas sûr que je l'avais en moi à ce moment-là. Puis je suis content que ça allait marcher. Je suis content d'avoir marqué un but au match des étoiles. Puis c'est de quoi je vais tout le temps pouvoir toucher ça. OK. Les featuring, moi j'adorais ça. Je vais passer vite par-dessus. Je vais essayer de sauter du temps un peu pour te permettre de te libérer. Le 3 contre 3 des filles. Moi j'ai adoré ça. J'ai adoré l'importance que les gars vous avez donnée. J'ai trouvé que les joueurs, vous aviez l'air tellement. Supporteur de la cause des filles. Oui, ben moi j'adore ça. Je pense que dans tout sport, dans toute discipline, ça prend une gueule. Puis je pense que il y a beaucoup de petites filles, de petits gars, de petites filles qui ont regardé le match, mais évidemment les petites filles qui peut-être qui désirent de jouer au hockey, puis ça leur donne la chance de regarder puis de voir les joueurs qui ont aimé, peu importe, quelqu'un qui peut-être qu'il y a un style différent ou etc. qui fait que ça donne le goût de jouer au hockey. Donc, moi, c'est le même, je vois ça, puis je trouve que la Ligue nationale a fait un très bon travail des inclure à nous autres. On reviendra là-dessus, mettons, dans les prochaines semaines. J'ai comme une idée que je veux partager avec toi, je veux qu'on en jase. Reviens-moi sur les deux matchs que tu viens de jouer. Vous avez poivré Thatcher Temco, ça n'a pas marché à Vancouver. Et hier, sur un 2-2, vous êtes revenu avec une grosse victoire en shootout. Oui, premier match, on a eu un manque d'exécution. On a eu beaucoup de lancers, comme tu l'as dit, beaucoup de chances de marquer. Mais c'était pas un match clean hier. Pour de vrai, on a eu plus d'exécution, mais on n'a pas joué un bon match non plus. Nos 40 premières minutes, on dirait qu'on avait. Je peux pas dire que c'était toute l'équipe. Là, on a eu des bonnes performances aussi, mais certains joueurs dans l'équipe, je trouvais qu'on sortait de notre identité. On essayait d'avoir des 2 contre 1, des 3 contre 2. Quand tu fais ça contre la ligne à Goodrow, Monahan, etc., ça risque, dans mon livre à moi, en tant que style des Blues de Saint-Louis, tu laisses la game dans les airs, tu laisses la chance que ça se peut qu'ils trouvent le moins gagner le match parce qu'ils vont marquer sur un 2 contre 1. Tandis que notre identité d'équipe, c'est vraiment jouer profondément dans le territoire, garder la rondelle, être dur sur la rondelle, pas s'en faire enlever inutilement. Puis c'est ça, c'est un style de jeu que la plupart de leurs joueurs ne veulent pas jouer. Donc, c'est le même qu'on a notre succès en tant qu'équipe, c'est le même qu'on a gagné l'année passée. Puis je trouve qu'on a dérogé un peu de ça. Après 2 périodes, on s'est parlé dans la chambre, les joueurs. Puis les entraîneurs sont venus plus tard, puis on dit la même chose que les joueurs. On a parlé déjà de ça. On s'était dit qu'il fallait marquer le premier but en 3e période, puis qu'on se donnait une chance de gagner. On l'a fait. Donc, en bout de ligne, c'est 2 points, puis c'est ça qu'ils ont. 3 buts, une passe hier, un but refusé, un but en tir de barrage, une chance, t'es malade. Oui, bien c'est ma voix, je me sens mieux là. Puis encore une fois, j'ai des opportunités, j'ai faim, je suis pas satisfait, puis c'est des conversations que j'ai eues avec mon entraîneur. Quand j'ai été nommé au match des étoiles, j'ai dit, ça change rien pour moi. Il y a même des médias qui m'ont demandé, est-ce que tu jouais de cette façon-là parce qu'on dirait que tu voulais forcer la main de la Ligue nationale, des partisans. Selon moi, ça fait 3 ans et demi que j'essaie de jouer de cette même façon-là. Encore une fois, je vais le répéter, la chimie avec O'Reilly,
les opportunités de l'entraîneur qui me donne, la confiance que j'ai de tout le monde en ce moment. Ça me donne confiance, puis ça pèse pas beaucoup là-dedans aussi. Luc me demandait, moi je t'ai demandé un point par match, tu es au-dessus d'un point par match présentement, c'est la première fois de ta carrière? Oui, je pense que oui, peut-être à Vegas, si c'est arrivé dans l'année là, que j'ai pas, sensiblement un point par match, mais pas aussi tard que ça, puis je ne sais pas si c'est arrivé même. Donc, c'est sûr que quand j'ai eu la passe hier, j'y ai pensé. Quand j'ai marqué le but qui était refusé, j'y ai pensé. Mais j'avais un feeling sur la glace que ça allait être vraiment serré, puis probablement offside. C'est des choses qui arrivent, puis ça n'a pas changé le reste de notre game. C'est ça qui est le fun. Moi et O'Reilly, là, de la façon qu'on joue notre game, on essaie d'embarquer Sanford dans la même mentalité. Peu importe l'adversaire qu'on joue, qu'est-ce qui se passe sur la patinoire, peu importe, ça change rien. On essaie de jouer de la même façon, on essaie de jouer avec constance. Puis c'est de même qu'on va approcher les prochains matchs aussi. Shootout, low glove, j'ai fini par le trouver, le maudit but, ça m'a pris du temps. En partant, tu le sais-tu ou c'est en regardant un gardien que tu le sais? Ben, d'habitude, j'ai un peu une idée, mais pas sur celle-là. J'ai mon move au back-end, j'ai mon move que je fais une coupe de stick handling avec un petit lancé peut-être à 50-60% avec glove. Mais là, celle-là, non, j'ai assez de quoi différent. Je pense que, étant donné que j'y étais un petit peu plus souvent cette année en shootout, je veux pas j'imagine que les gardiens, un gars comme Talbot, ça fait plusieurs années qu'il est dans la ligue. Je m'étais dit qu'il devait avoir une idée pour mon back-end. Donc, j'ai assez de quoi différent, puis ça marchait. Donc, j'y étais un peu avec le feeling quand je descendais, qu'est-ce que je voyais, puis pas plus différent qu'une pratique, mettons. Je vais avoir ton commentaire avant de te laisser. RDS a sorti son classement des meilleurs joueurs québécois votés par les joueurs québécois. Tu seras sans surprise de voir Huberdeau qui est là, Patrice Bergeron, gardien de but, c'est Fleury, le temps. Mais c'est toi qui es là maintenant avec les top avant de la Ligue, de la Ligue, les top avant québécois. Tu figures dans le top 5. Tu es content de voir que tes pairs de chez vous te considèrent parmi l'élite des Québécois dans la Ligue? Ah, c'est sûr que c'est le fun, mais quand ça fait assez d'équipes que tu joues dans la Ligue nationale, à un moment donné, tu joues avec tous les gars, tu connais tout le monde, fait que ils se rappellent de ton nom, puis ils pensent de t'inclure dans le sondage, donc regarde, c'est le fun, puis je suis content, évidemment, de la saison que j'ai, comme je l'ai dit, j'ai encore faim, je veux continuer à m'améliorer, je pense du côté du Bardo, c'est pleinement mérité, un autre que j'ai des conversations avec en 20 semaines, lui puis Christopher Lottin, donc je suis super fier des boys. Puis j'ai tout le temps été un gars que j'espère que tous les Québécois vont avoir du succès dans la Ligue. Donc, je suis pas le fun de faire partie de ça. Quand tu as parlé à Huberdeau, tu as dit « Attention, je m'en viens ». Non. Je pense pas que je vais m'en venir à fait comparé à lui. Puis je lui souhaite de continuer d'aller dans cette direction-là. Je l'ai toujours dit, moi, depuis sa première année, on a le même agent. On patine ensemble l'été. Sa patience avec la rondelle est exceptionnelle. Puis autant que je me suis basé sur beaucoup de vieux joueurs, exemple Getzlaff, Kovalev, tous les gars dans ma carrière pour essayer de m'améliorer. Mais maintenant, tu vois des jeunes comme lui, puis en fait, il est de moins en moins jeune. Ça doit faire 6, 7, 8 ans que je suis dans la Ligue nationale. On est quand même s'améliorer pareil, puis je suis super fier de lui. T'as vu, je t'ai pas parlé de ta punition sur Kachuk parce que hier, en entrevue, tu as dit no comment, fait que je t'en parlerai pas. Ouais, j'ai pas de commentaire, je veux pas me mettre dans le trouble parce qu'évidemment, j'étais pas d'accord avec la décision. Je trouvais juste que pour une punition qui soit appelée en prolongation, ça prenait un petit peu plus que ça. Je vais laisser ça là, mettons. C'est correct. Laisse ça là, puis excuse-nous au coach qu'on t'a pris du temps, puis bonne chance pour le reste de la semaine pour Sergeant mercredi. Yes, merci Martin, à la semaine prochaine. Bye-bye, David. Oui, on te dérange pendant que le coach... tu sais, il parle à quelqu'un, puis là, on dit... c'est qui, tu sais? C'est le coach. Pardon, je vais te laisser tranquille. Je ne veux pas que le chief soit fauché après toi. Hey, mais professionnel comme il est, les gens l'apprécient. Toujours sa présence. Oui, c'est assez spectaculaire. Pas une chance, le jeudi, qu'il était assis, puis dans sa toilette chez eux, puis il fait... Ben, voyons donc. Il y a quelqu'un qui veut vraiment pas que j'aille au match des étoiles. Absolument. Non, mais tu sais, puis ça nous fait rendre compte des dessous du hockey qu'on ne sait pas. Les dessous, c'est pas mal ça. Oui, c'était pas un jeu de mots que je voulais faire. Merci, Martin. Mais non, mais... Merci. Mais c'est ça. On ne sait pas toujours ce qui se passe. David l'a bien exprimé. Puis il l'avait dit en plus avant sa présence au match des étoiles qu'il était blessé. Puis que si, tu sais, oui. Puis si
mettons, c'était pas assez éloigné, tout ça. Il voulait-tu pas le manquer? Puis là, la gastro, ça n'a aucun bon sens. Puis on l'a dit tantôt, bon appétit tout le monde. Mais c'est ça, c'est une émission de... Mais tu sais, c'est juste pour ceux qui l'ont écouté en live, tu sais, ceux qui vont le regarder en podcast. Parce qu'aujourd'hui, c'est un podcast très, tu sais, quand on fait un podcast, le jour d'un match du Canadien, ça ne donne rien d'écouter ben le lendemain, on va se dire la vérité. La durée de vie est moins longue, c'est ça. Un podcast comme aujourd'hui, où on parle de santé mentale, où on parle avec David Perron, vous pouvez l'écouter encore 3-4 jours. Absolument. Demain, soyez là. On l'a dit tantôt, Marc Denis va être là, Guy va être de retour. On devrait avoir une entrevue avec l'entraîneur des Pingouins, Jacques Martin. Qui fait un job incroyable avec les défenseurs là-bas. Absolument. Puis, il y a beaucoup d'auditeurs qui nous suggéraient de faire une édition spéciale de Super Bowl. Vendredi, on va avoir la deuxième partie d'émission qui va être consacrée à ça. Donc, Pierre Vacheval va être avec nous vendredi pour peut-être, je sais pas, une demi-heure, 20 minutes. Là, on verra. On va prendre vos questions, vos commentaires, puis vos prédictions. Hein, parce que oui, Lise, ça va être votre opportunité de parler en live avec, avec Pierre. Donc, absolument. Si vous dites, ah, j'aimerais ça qu'on pose d'autres questions, c'est votre chance. Et ton col roulé a fait jaser Martin encore une fois. Ah, il n'a pas fait jaser. Tu t'arrêtes à un commentaire. C'est très beau. Il y en avait deux. C'est très beau. Trois peut-être. Puis regardez. Je n'ai pas fait de décompte. J'ai eu le voir tout à l'heure au 5 à 7. 5 à 7, Martin sera là. C'est bon, col roulé. C'est ce que Thomas Plekanec dit. Ouais. All right, gros merci à Ali. Ton préféré, d'ailleurs. T'es-tu mouché un micro? Ton préféré, d'ailleurs. Non, j'ai comme explosé de rire. Merci à Oli à la mise en onde. Merci à Rock aux médias sociaux. Écoute, c'est une bonne question parce que je ne l'ai pas croisé ce matin. Je ne sais pas si c'est Rock ou Tim. Merci à toi, Luc. Et on se rejase demain. Ce sera jour de match canadien-sable. On va pouvoir en jaser avec nos intervenants. Bye-bye, tout le monde.